Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode de Papy Corse s'éclate sur Arc Survival. Il est 14h45, nous sommes le dimanche 21 avril 2019. Et nous continuons l'aventure. Voilà, donc je voulais te dire, Venom, oui, par exemple, si tu construis, tu mets des tourelles ou des plantix à côté d'un coffre, tu sais, de bonus, ou à l'entrée d'une grotte, on peut pas y chercher l'artefact. Donc je te dis gentiment, tiens, est-ce que tu peux l'enlever parce que voilà, ça gêne, tu l'as pas fait intentionnellement, t'as pas fait gaffe et tout. Donc c'est pour tout le monde, hein. Donc je leur dis gentiment de l'enlever. Si après, s'ils ne l'enlèvent pas, bah je me sens obligé de la détruire. Voilà, tout simplement. Après, tu peux mettre des plantix, tu peux mettre des tourelles au-dessus de chez toi et tout. Il n'y a personne qui doit venir. Voilà, hein, c'est... Enfin, j'essaye de faire au mieux, hein. Comme ça, il n'y a pas de souci. Et si on veut faire une grotte ensemble ou les boss ensemble, on se met tous en alliance. On se fait une alliance et puis au moins, voilà, on est... On est pas mal. Nos tourelles seront que... Voilà, c'est ça, sur les animaux sauvages. Ouais, d'accord, ok. Tout à fait. Voilà, donc j'ai mon... Hop. J'ai ma selle de Ptera. Donc ça, ça va m'aider. Je suis peut-être un peu trop lourd là pour monter dessus. Parce que c'est le petit niveau que j'ai. J'aurais dû lui laisser la pierre là-bas. Paco, j'ai 30 slots de pierre, encore 15, et puis c'est bon, hein, dès que tu auras l'aigle, tu me l'amènes et tu prends tes 45 slots de pierre. Hein. Y a pas de problème. J'ai réglé le souci du micro. Ah d'accord, on va faire des nettoyages, et après je serai là si tu... Pas de soucis, Arnaud. Pas de soucis. Pas de soucis. Donc, nombre d'abonnés est égal à nombre de joueurs sur le site. Moins 2, parce que moi et Mamie Corse, je compte pas. Hein. Enfin, plus 2 plutôt, plus 2. Il y a 5 abonnés, il y a 5 joueurs qui peuvent jouer, plus moi et Mamie, ça fait 7. Hein. D'accord, voilà. Ok, Paco. Après, c'est à ton rythme, hein. je te pousse pas, quand tu veux. Hein. Je vais te dire que c'est pas pressé. C'est juste pour te dire que tes pierres sont prêtes dans l'armoire extérieure. Il faut que je te donne le code PIN. C'est tout. Hein. Voilà. Et je t'encourage à faire une armoire pour chacun. Des armoires d'échange. Donc une pour moi, une pour Patricia, une pour Chicago à l'extérieur de chez toi. Patricia m'a fait ma petite caisse pour moi. Puisqu'on a fait des échanges hier. Chicago, pareil, hein, je t'encourage à le faire. Après, c'est pas une obligation, mais c'est mieux, je trouve. Avec un petit panneau devant, voilà, armoire d'échange, Papy Corse, armoire d'échange, Patou, etc. Ouais, je te connais, ouais. C'est pour ça que je te le rappelle, Paco. C'est parce que je te connais. Je plaisante, Paco. Voilà. Donc je pense qu'en abonné, on doit être 6. Donc il y a Rem, il y a Paco, il y a Tino. Normalement, il y a 3 places. Si Venon, il nous rejoint, ça, il n'en restera plus que 2. Val, si je fais venir, il n'en restera plus qu'une. Et si je fais venir Arnaud, on sera au complet. Hein. Voilà. Sans porte, sans code. Mais tu prends des risques, Paco, parce que hier, j'ai pris 99 citrons à Chicago. Hein. Attention, moi, je joue le jeu, hein. Je viens chez toi, je vois que c'est ouvert, il n'y a personne. Je peux te prendre le broyeur que tu m'as préparé et tout ça, et c'est à moi. Hein. Ça, je... Paco, c'est du PVP. C'est du PVP, comme dit Patricia. Hein. Voilà. Après, j'ai dit, hein, si je suis dans ton coffre-fort, je suis en train de me servir, et toi, tu me gaules, donc tu me tues pas. Hein. Tu me dis, je t'ai gaulé, papy. Donc, on fait un combat main à main. Voilà, on enlève toutes nos armures, on se met en culotte et hop, on se tape. Et si moi je gagne, je prends tout ce que je veux dans et puis tu fermes ta poire. Mais par contre, si je perds, je te donne en double de tout ce que tu as dans ton coffre, plus un coffre fort, vide. Voilà. Ouais, non, Paco, à ça, je... Hein ? Tu me connais pas, Paco, tu vas apprendre à me connaître. Hein. Je peux mettre mon réveil à 5h du matin, je sais que tu vas dormir et puis je vais chez toi. Hein. Mais attention, je te détruis rien, hein, attention, hein, c'est tout ce qui est, par exemple, t'as des citrons en hauteur, moi j'arrive avec mon oiseau, je te prends une ou deux cloches, je te prends ce qui m'intéresse. Hein.
Voilà. Et puis je te le dirai le lendemain. Je dis, tiens, je t'ai volé ça hier. Ah ouais, non, ça met un petit peu de piment, ça met un petit peu de PVP quand même. Non, moi je trouve que c'est sympa, quoi. Voilà. Donc ça. Moi, je vais peut-être continuer ma construction parce qu'elle est ridicule, là, ma construction, là. Elle n'a pas de forme. Hein. Je travaille au milieu d'oiseaux. Ah ouais, c'est ça que je voulais mettre. Je me suis déchargé. Donc je vais mettre ça sur lui. Et je vais le sortir. Énergie. Par contre, si tu m'invites chez toi, Paco, comme la dernière fois j'ai visité et tout, je te prends rien, évidemment. Hein, c'est sur invitation. Hein. On est bien d'accord. Hein. Si c'est du vrai PV, moi je tue sans. Ah non, bah justement. Non, justement, Val. C'est du PVP, mais c'est interdit de tuer les personnages et les animaux et de détruire les structures des autres. Donc t'étais pas là au début, donc voilà. Non, non, ici on ne tue pas comme ça gratuitement. Hein. Voilà, c'est là justement, je t'ai dit, justement, si on envoie un qui est en train de voler chez l'autre, ben, il y a un combat. On fait un combat main à main et c'est le premier qui va tuer l'autre. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas de. J'arrive derrière toi avec mon épée et je te tue. Hein. Ah, tu rigolais, d'accord, ok. Ouais. Parce que je te connais, Val. Hein, hein. T'es assez. Hein. Donc en officiel, il n'y a pas de problème. Mais là, non, non, non. Faut se calmer, là. C'est pour ça. T'as tout fait. Si on me vole, je tue. Non, non, non. Si on te vole dans mon privé, là, dans le serveur privé, tu vas derrière, tu lui tapes à l'épaule, je dis bon, bah, je te gole là. Donc l'autre, il a rien à dire. Il dit, il va pas dire non, je regardais ce qu'il y avait. Non, 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 il n'y a pas de regarder ce qu'il y a. Donc tu le mets en. Voilà. Tu peux même choisir l'arme. Hein. Soit tu dis bon, voilà, c'est un combat main à main. C'est un combat à l'épée, donc l'autre il a une épée aussi. Il faut que ça soit proportionné. Hein. Si t'es tout en armure, l'autre en face il doit être tout en armure. Voilà, hein, et il a le droit de se défendre et tout. Après, si tu veux faire encore un duel en flèche, arc et flèche, bah, ok, il n'y a pas de souci. Hein, arc et flèche dans un périmètre. Et puis voilà. Hein. L'autre, il prend des risques. Donc ça, c'est bon. Ok. Donc c'est qui? Ah, c'est moi qui a gagné un. Voilà. Moi, je mets des tourelles sur humain. Ouais, tu peux. Il n'y a pas de souci. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu peux mettre des tourelles. Au moins, voilà. Mais faut pas que tu les mettes à côté des coffres bonus, ni des entrées de grotte, et tout ça. Hein. Sinon, je te demanderai de les enlever. Hein. Ou de les déconnecter, surtout. Donc ça c'est des œufs, je sais pas, ça c'est des œufs d'oviraptor. Est-ce que ça sert à quelque chose? Hein, c'est des bonbons. Ah ouais, d'accord, ok. Oui, pour tes oiseaux et tout ça, ça donne de la vitesse en plus. Ah, ça donne de la vitesse? Ah Ça bah fait tiens. comme les bonbons de Noël là. Vitesse 135, vas-y, tiens, mange. Il les mange tout seul ou faut les faire Tu manger? les fais manger? Ah d'accord. 135. Non, ça lui donne de la couleur. Et 5 ou 10% de vitesse. Non. Bah, si c'est marqué dessus, t'es bon. Vitesse de déplacement plus 5%. Non. Non, non, je suis toujours à 135. Salut Paco! Salut toi tout seul! Allez, hop. Bon, allez, on va continuer à faire bah, ici. Hein. Donc, des encadrements de. C'est en chuchot pour code papy et nom du serveur. Ok, pas de problème, Venom. Donc, je te le mets en chuchot, Venom. T'as dit quoi sur moi, mort de rire? Paco qui dit, t'as dit quoi sur moi? Ah, fallait être là avant, Paco. J'ai dit avant c'était David et Jonathan, maintenant c'est Paco et Tino. Hein, voilà. David et Jonathan c'était Israélo machin. Et maintenant c'est Latino. Hein. David et Jonathan. Est-ce que tu viens pour les vacances? Par exemple. Hein.
Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Attends, je chuchote à Venom. Que je me trompe pas. Attends, là, là. Ok. Donc, je te donne le nom du code, Venom. Il est où l'autre ? Il est là. Voilà, que je changerai sûrement la semaine prochaine. Que je change. Moi, papy, si tu viens voler chez moi, je te mets en cage avec Def en 48 heures. Ah, dis donc. Donc, le chuchot, voilà. Ok. Donc, Venom, je t'ai envoyé le code. Et le nom du serveur, c'est Papycorse sur The Island. C'est ça. Hein. Papycorse sur The Island, Venom. Tout simplement. Je veux pas prendre la responsabilité. Ok, Venom. Il y a Val qui veut rejoindre. J'en sais rien. Ouais. J'ai entendu. Ouais. Donc faut Paco, est-ce que tu peux réfléchir? Il y a Val qui voudrait nous rejoindre. Parce que je veux pas prendre la décision tout seul. Donc il a fait partie de notre tribu. Il a joué avec nous. C'est une personne très exigeante, Val, qui demande beaucoup de choses. Donc, j'aimerais aussi votre accord. Donc, je vous laisse réfléchir un petit peu. Hein, et vous me dites ça, si Val peut nous rejoindre sur le serveur ou pas. Je ne veux pas prendre la décision tout seul, parce que si ça se passe mal, je vais te montrer du doigt. Tandis que là, je pourrais dire, je n'ai pas choisi tout seul, les copains. Venom aussi, hein, si tu peux réfléchir un petit peu et me dire... Même si, si tu viens d'arriver, il n'y a pas de souci. Hein. Bah, il a été un. Ça, c'est quand j'étais bas niveau. Hein. C'est pas une question de gros niveau ou petit niveau, Val. Hein. C'est une question de tempérament. Hein. C'est la personne. Hein. C'est pas, on parle pas virtuel. Là. Ouais, mais Tino, il faut qu'il prenne plus ses responsabilités, Tino. Hein. De toute façon, tu parles pour lui, hein, David et Jonathan, c'était... Hein, y a l'un parlait pour l'autre. Hein. Oh, attends, je vais mettre du poids. Voilà, je vais mettre du poids. Ah tiens, je peux mettre en métal. Bon, bah, là, je vais débloquer tout ça. Accepter. Voilà. Tu parles trop et demandes beaucoup comme. Ouais, exactement. On est franc, Venom. Voilà. Ouais, moi, j'ai trouvé quelqu'un qui. Voilà. Voilà, c'est. Tout à fait. Hein. Venom, tout à fait d'accord avec toi et tu étais d'accord avec moi. Ok, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je réfléchis, Val. Je ne veux pas prendre la décision tout seul. Parce que là, c'est un serveur privé. C'est un truc calme, tranquille. C'est pas, voilà. On n'a pas envie de se prendre la tête. Tiens, il me faut ci, il me faut ça. Papy ci, papy ça. Venom ci, machin et tout. Tu vois, il faut vraiment prendre ses responsabilités. Bon. Tu es sûrement jeune, hein, de mémoire, tu es jeune, mais c'est pas une raison. Hein, c'est pas une raison, voilà. Donc laisse-nous réfléchir encore un petit peu, hein, Val, ok ? Hop là. Si tu veux du franc, c'est bien tombé. Ça pète direct. Ouais, bah c'est ce que je veux aussi, Venom. J'aime bien aller droit au but et je vais pas tourner autour du pot. Voilà. Après, il faut accepter. Hein. Moi aussi, j'accepte. Hein. Papy, t'es une tête de C. Bon, bah écoute, bah, je m'excuse. Hein. Je suis comme ça. Et puis voilà. Mais celui qui me dit ça, bon, bah, il a ses raisons. Hein. Je sais que c'est pas méchant. C'est pour aider la personne. Je vois pas, mais je suis chaud. Par contre, tu as une solution. C'est-à-dire, Venom. Je vois pas, mais je suis chaud. Bah, tu m'as dit que c'était bon. C'est pas nouveau, ça, la tête de...
Ouais, mais bon, hein. Ce qui se ressemble s'assemble, hein. Donc si je suis une tête de C, c'est que toutes les autres têtes de C, ils aiment bien ma tête de C. Ok, ça marche, Venom. Tu es sur PC, à qui tu parles, Val? Je pense pas que tu parles à moi, évidemment que je suis sur PC, sinon je pourrais pas faire tout ça. Hein. Moi, je dis rien. Ça va être une bêtise. Ouais, non, dis rien, Venom. Il y a des fois, faut se taire. Ah, pour... Ouais, d'accord, ok. Ça marche, Val. Ok, bon, hop. Donc j'ai des... Oh là, attends, il fait nuit là. Voilà. Donc ouais, c'est ça que je voulais mettre déjà, moi. Est-ce que je l'ai débloqué? Je pense que oui, si j'en ai fait. Hein. Des fenêtres, double porte. J'ai pas les... Pourquoi j'en ai fait? J'en ai peut-être pas fait, c'est peut-être pas ça. Bien s'il me semblait. Donc là, ce sont des portes. Je fais des portes un peu partout. Ok, donc on va continuer les portes. Hop. Voilà. On va faire ça. Ok, ça marche. Je repasserai. Ouais, pas de problème, Venom. Tu viens quand tu veux. Maintenant, je sais, au moins, la place est prise. C'est bon, et t'attendras pas un autre abonnement pour que tu viennes par la suite. Comme ça, voilà, t'as ta place, y a pas de soucis, hein. Papy, t'as mis tout dans la taille. Ton... Ouais, comme d'hab, Val. Comme d'hab. De rien, Venom, de rien. Voilà. Donc ça, c'est bon. Bon, bah, on va y aller, hein. On va construire là. Bois, branchage, pierre, c'est parti. Je mets tout dans l'attaque et tout dans le poids, Val. Là, Gaston, il va falloir que je mette la vie parce que quand j'endors les animaux avec mes poings, je perds de la vie et je meurs en voulant tamer des animaux avec mes poings. Donc, il va falloir que je mette de la vie. C'est un peu ballot, mon truc. Hein. En train de tamer un parasaur, tu meurs devant lui, devant un parasaur, laisse tomber. Donc ça c'est bon. Ok. Comme ça je vais avoir un petit peu d'expérience. Ouais, non, là je suis bloqué. Je pourrais peut-être en faire deux. Ah ça y est, Donitza est né. Cool. Ça a mis longtemps ou pas, Paco? Bébé Moshop. Trois heures, ouais, ça va. J'irai voir si j'ai doublé ou pas. Si j'ai pas doublé, je doublerai. À naître. Ouais, d'accord, à naître, ouais. La gestation, quoi. Hein. Là, faut quelques jours qu'il grandit. Ah ouais? Ouais, faudrait que j'aille voir ça. Donc là, je ferai bien des portes dino pour entrer là. Je me demande si la maturation, justement, on a un peu doublé. Je crois. Hein. Je suis pas sûre, mais je crois. Ouais. J'ai faim. Porte, voilà, pour être. Porte dino en pierre. Alors, cadre de dino en porte behemoth. Non, non, pas behemoth. Cadre de dino en pierre. Oh, bah, je les ai fait déjà, donc c'est bon.
schéma. Moi, mes persos ont pu 300 de vie, 200 énergie, 100 de faim, 100 d'eau, 400 ou 500 de poids et 50 de récent, le reste en attaque et en vie. Ouais. Mais. Si Tino n'aurait pas tué mon mâle argente, là aussi on aurait déjà des bébés. Ah ouais, mais attends, on n'attaque pas un alpha avec un aigle. Franchement, il avait fumé la moquette ou quoi ce jour-là? Un alpha avec un aigle, non. Il faut que ton aigle il ait 400% d'attaque, minimum, minimum. Et avec 2500 de vie, voire 3000. Je pense pas qu'il avait pas ça, hein, son aigle, j'en suis sûr et certain. Ah, t'as encore beaucoup à prendre, hein, Tino, hein. Eh, t'as pas dépassé le mètre encore. Eh, ça me réjouit. Enfin, Tino, parce que toi, tu l'aurais pas fait, Paco, non. 3. Ah, il avait quand même 3000 de vie. Ah oui, quand même. D'accord. 320, ça faisait jeune. Hein. Il mettait combien de dégâts, tu sais, non? Comme j'ai mis les DPS en visu. Niveau 220. Ouais. Moi, j'étais niveau 33, je me suis fait un alpha à l'épée. Moi. Avec ton épée verte que tu m'as filée, tu te rappelles? Donc ça, ouais, ok. Bon, c'est vrai, il était derrière mon mur, il dépassait, mais bon, je l'ai eu quand même. Ah bah, évidemment, j'étais niveau 33. Hein, niveau 33, j'ai pris 5 niveaux directs. Bah oui, il essayait d'entrer chez moi, mais tu sais très bien que quand l'animal est à la moitié chez toi, tu peux le toucher. Ah bah, hey, oh, mens pas, moi, j'ai fait l'alpha, c'est tout. Bon. Ah ouais, j'étais content. Et puis j'ai eu une hache verte dedans. Et toi, papy? Ah ouais, ouais, je suis très, très fort. Je suis balèze. Salut Venom, bienvenue à toi, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir de voir ton nom sur le serveur. Super. Ça prend de l'ampleur. On va pouvoir faire les boss et débloquer le tech. Wall again of four, il n'est pas là, Rem. Wall again of four, Rem. 1 et 2, ouais, je vais en mettre 2. Ouais. Non, pas 3, non. Non, c'est bon, pas 3. Tu t'en vas de là, je vais pouvoir faire une autre. Ouais, non, attends. Voilà. Et là, il me faut 180 pierres. Ouais, je suis déjà pas mal chargé. Allez, on va construire un peu parce que ma maison a fait pitié. Là. Allez, bon. 180 pierres. On est plus ici que les gens qui jouent sur... Ouais, tout à fait, Paco. Hein. Ils étaient 7, hein, remarque, quand j'y étais tout à l'heure. Hein. J'ai fait le tour. Hein. J'ai fait le tour et ils étaient 7. Hein. Là, je sais pas, on est combien, là? Chicago, papy, mamie, Venom, Paco. On est 5. On est 5, merci, je pose juste le perso. Pas de problème, Venom, pas de problème. Tu viens quand tu veux, tu joues quand tu veux, il n'y a aucun souci. Merci à toi d'être venu, c'est super sympa. Ça te fait coucou? Ouais, ouais. Ah bon, d'accord. J'ai dit. Ah d'accord, ok. Ok, super. Bon. Donc ça, je vais mettre ça ici. De la pierre. On va chercher de la pierre. Pas gâté moi en pierre et c'est vrai que je suis à côté du drop rouge mais point quoi, c'est tout. Pas de problème Venom, on sera là, enfin moi je serai là toujours, soit avec Papy Corse ou soit avec Gaston, je serai là.
Obligé de le tamer avec des croquettes. De quoi? Papy, j'ai regardé comment tamer un T-Rex, c'est long. Croquettes ou viande de qualité, Paco, hein. Moi, c'est ce que je faisais, hein. J'avais pas les croquettes, mais avec les autres de la viande de qualité, hein. Ouais, le mouton, j'ai pratiquement jamais fait, le mouton. J'avais du mal à les trouver. Mais viande de qualité, c'est ce qu'on fait aussi avec les aigles, hein. C'est assez rapide, hein. 4 heures en viande de qualité, bah, c'est quoi? C'est un gros niveau que t'as vu, Paco? 4 heures? Attends, ça m'étonnerait. Bah, tu vas pas mettre 2 heures pour un T-Rex avec des croquettes, hein. Ou alors c'est un niveau 150, ton T-Rex, là. Ouais, moi, je tame que des 130, 150. Ah, bah écoute, hein. Après, hein. Ah, des croquettes, ah ouais, c'est des croquettes de scorpion. Maintenant, c'est quoi? C'est des croquettes de quoi, Paco? Pour les non. Ouais, c'est ça, Val, il dit de l'affamer pendant 2h30. Des brontos? Ah ouais? Ah bah, je vais me faire des brontos, direct. Les brontos, c'est les exceptionnels, d'accord. D'accord, bah, je vais me faire un bronto aujourd'hui, hein. J'en ai un à côté, normalement, s'il est encore là. Ah bah ouais, parce que moi, il me faut des T-Rex pour faire les boss. Ouais, donc j'ai mis ça où, moi? Ouais, des gros œufs, ouais. Gros œufs. Ok. 180, donc ça, 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 ça. Ça, c'est pris de soute? Non. Salut, Wok. Merci à toi pour ton follow. Sympathique. Qu'est-ce qui me manque là? Pierre, encore de la pierre, sérieux. 280. Ouais, je les ai même pas dit. 280 pierres. Oh, je suis en purée. Ça, ça s'en va. Je suis habillé comment, moi? Ouais, c'est bon. Ça, ça s'en va. Ça, on va mettre. Allez, on va chercher encore de la pierre pour faire. Ouais, faut l'affamer, hein, le T-Rex. Hein. Il faut autre chose en attendant, mais bon, faut que tu mettes des... Non, je crois qu'il n'y a personne qui te touche tes T-Rex. Peut-être les aigles sauvages, je crois. Mais les autres carnivores, ils y touchent pas, je crois. Il me semble. Pour les pourcents d'efficacité, c'est la qualité, pas la qualité de la viande, c'est la vitesse à laquelle... Ah ouais, tu crois? Bah, j'irai pas comme toi, Val. Hein. Tu mets de la viande crue, tu vas perdre des niveaux. Hein, enfin, de la viande crue normale, tu vas perdre des niveaux. Tu mets des croquettes, tu perds quoi? Tu perds un niveau, c'est tout. Hein. Ça, c'est bizarre ce que tu dis, là. La vitesse qu'il mange... La viande d'agneau, ça va plus vite que les croquettes. Enfin, avant, ça allait plus vite que les croquettes, mais tu perdais 2-3 niveaux. Les croquettes, ça va un petit peu moins vite que la viande d'agneau, mais tu as tous tes niveaux. Et après, plus tu descends en qualité, plus tu perds des niveaux. Enfin, moi, c'est toujours ce que j'ai vu. Après, ça a peut-être changé, j'en sais rien. Bon, là, c'est bon, je vais pouvoir faire une entrée de porte dino en pierre. J'en avais fait une là déjà. C'est du tout bon. Donc j'ai mis ça dans les armoires. Du bois, de la pierre. Normalement, je devrais avoir assez. Du branchage. Voilà. Pourquoi ça veut plus ça? C'est bizarre ce truc. Ça. Voilà. Donc j'ai une porte aussi. Je sais pas où j'ai foutu. Donc j'ai ça, ça je vais le ranger. La porte, elle est où la porte? Là. Ah, elle est là.
Voilà, ça je te mets dedans. Superbe. Ok. Donc on va en mettre une là, ça sera pas mal. Allez, go. Ah ouais, non, je préfère de l'extérieur. Je ferai moins l'imbécile là. Voilà. Alors, est-ce que c'est bon? Ça m'a l'air. Ouais, c'est pas mauvais. Ça, je remets la porte. Voilà. Ok, mec. Ensuite, là, j'en ai un de deux. Et là, une. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va aller chercher un mur. Ok, Val, pas de problème. À tout à l'heure, Val. Ça va prendre plus de temps si tu mets de la viande crue et t'en vaudra plus que de la viande de mouton. on verra Val, on le vérifiera, on aura le temps de faire des T-Rex et d'avoir des moutons et tout ça, donc on, c'est là qu'on verra. Bonsoir, monseigneur. Comment allez-vous, monseigneur? Le Canada parle ton français. Bonsoir. C'est plutôt bonjour. Il est que 15h17 chez nous, Fia. On n'est pas en Angleterre. Même en Angleterre, hein, on dit bonsoir à partir de 17h. Chez les Gaulois, non. ouais, de la pierre. Non, bah là, j'ai un peu plus de pierre vers le torrent. Comment va Monsieur Fir? Il est tôt chez toi là? Non, non, il est 11h, 11h20 là. C'est bientôt l'heure de l'apéro du midi là. Ton jus d'orange. Pourquoi t'as un S? J'ai mis un S. Ah, tu tapes trop vite le SMS, Val. Aïe, je suis trop lourd, zut. Allez, on va agrandir tout ça. On va faire une maison qui ressemble à quelque chose. On dirait des blocos, là. Je ne sais même pas où c'est que j'en suis, moi, avec mes épisodes. Donc, merci de m'avoir suivi là. Rendez-vous au prochain. Ciao, bye bye.